Hello, Shenton. Bonjour Yann. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Bonjour à vous. Ça va bien. Aujourd'hui, c'est spécial, le plat? Oui, et aujourd'hui, je fais sauter l'estomac du porc. Donc, pour ceci, il vous faut donc de l'estomac de porc, vous commandez chez votre charcutier, poivron rouge, poivron vert, de l'ail, du gingembre, du blanc de poireau, le tout coupé finement, fécule de pommes de terre, de l'eau, du sel, du vinaigre blanc, de l'huile, et dans votre poire, vous avez déjà mis de l'huile de friture. Et puis, comme à chaque recette, le fameux coupe-coupe de Shenton. Ah. Allez, on se prend l'estomac. Alors, attends, Shenton, bien expliqué. Pour l'estomac, il faut le laver avec de l'eau, et bien laver avec de l'eau et du vinaigre. Bien le frotter, une fois qu'il est propre, vous le mettez à cuire à feu doux pendant 1h30 dans de l'eau. Voilà. Okay. Et après, c'est tout simple. Peut-être allumer le feu, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, attends, qu'on voit bien. Donc, coupez vraiment des petits bouts, hein. Et voilà, donc l'estomac est coupé, le poivron. Tous vos aliments sont prêts à être cuits. Dedans, donc, vous avez vu, l'estomac et poivron. C'est bon, pas trop voilà. Et c'est vraiment un aller-retour. Hein. Voilà. Vraiment être plongé hein, dans l'huile de friture, c'est tout. Après, tournez un peu plus. Une cuillère à soupe. Hein. Mais... Donc, le blanc de poireau. Oui. Le gingembre. Et l'ail, c'est après. Et l'ail, vous le mettez de côté pour l'instant. Vinaigre. Le vinaigre blanc. Oui. Donc, 2 cuillères à café. Le sel. Le sel. La fécule et pommes de terre diluées dans de l'eau. Mélange avant, voilà, mélange. L'ail, ouais. Vas-y vite. Voilà, c'est bon. Et bien voilà, de l'estomac de porc. Regardez-moi ça, c'est mimi ça. Ça sent bon, hein. Oh, Shenton, c'est du rapide ça. Alors, c'est comme ça? Ouais. Oh, bah c'est super. Ben, Shenton, merci. Bye bye.